Re-YouTube, on se retrouve toujours sur cette aventure 100% de Breath of the Wild. On est en train de farmer tous les coffres des sanctuaires. Et là, nous nous retrouvons dans le sanctuaire de Shidagoz pour trouver le coffre qui est là. Là. Du coup, bah... Go. Pense. Ah, c'est pas un coffre, c'était une boule, malheureusement. Donc le coffre, il est là. Bon, bah nickel. Longue épée électrique. Et là, c'est bon, on l'a fini. Shidago, c'est terminé. Celui-ci, on l'a déjà fait. Celui-là, on l'a pas fait. Let's go. Alors. Ok, coucou Kiki Flamme. Bonjour, Kiki Flamme. Alors, on est où là? Ah, c'est le sanctuaire sous le sol dans celui-ci. C'est une bénédiction, non? Je crois que c'est une bénédiction ici, je suis pas sûr. Il est un peu dur à trouver en fait celui-là. Ah non, pas du tout. Ce coffre-là, on l'a. Attends, je regarde si on n'a pas un autre par là qu'on aurait raté. Ça m'étonnerait en vrai, vu la taille de la salle. Non. Ok. Ah mais celui-ci, oui. Ah, le coup direct ça! Ça fait pas de vent avec une feuille. C'est bizarre ce qui s'est passé, non? On va dire que c'était pas bizarre. Je sais pas pourquoi je fais ça. En vrai, on va simplement faire... jamais on y arrive. Ah, est-ce qu'on peut sauter sur le tonneau? Non, ça servira à rien. Il faut juste aller chercher le ballon vous conflop qui va pop. Là. Parfait. Hop, hop. Padam, padam. Padam, 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 padam. Oh, ça commence. Heureusement qu'ils m'ont pas percé les ballons. Ah bah tiens, j'ai perdu un ballon. Ça va être moins drôle là, la balade. Oh. Cette galère. Pourquoi je... Comment ça se fait que j'ai cassé les ballons comme ça? C'est pas de bol ça. C'est un coffre en métal. Non. Gros mytho. Gros mytho GG. Le roi des mythos. Oh non. Il m'a arraché un ballon. Oh non. Non! Parfait. Bon, je pense qu'il en reste encore. Rubis doré. Oui, il en reste, on n'a pas fini. Ok. La guerre. Parfait. Alors ici c'est la sortie. Bah tiens. D'accord. Faut le choper par en haut. Pas go hein. De toute façon on a que ça à faire. Ah pourquoi le coffre il a pas été ouvert? Ah j'ai dû mais le shit. J'ai dû passer mais tellement à travers le sanctuaire. Il y a au moins deux coffres à récupérer. Un pour la clé et un qui est celui-ci je pense. Rien. Si, il est rigolo en vrai. Non, c'est pas ça que je voulais. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Des poissons, 38. Ah bah tiens, un de plus. Il y a trop des coffres ici. Bim bim bam bim bam bim bam boum. Comment tu fais pour savoir s'il reste des coffres? En gros, quand tu ouvres l'inventaire, là tu vois c'est marqué sanctuaire de Kaokyo. C'est tout.
Et si tu vas, genre, au sanctuaire qu'on a déjà fait, là, c'est marqué sanctuaire de Tina Kyoza, coffre. Ça veut dire qu'on a tous les coffres. Là, c'est le sanctuaire de Shayo, tout court. Donc, on n'a pas fini les coffres. Là, c'est le sanctuaire de Toyasa, pas coffre. C'est bizarre qu'on ait pas pris le coffre ici, alors que c'est la tenue électrique. D'ailleurs, un deuxième coffre ici. Ici. Là, c'est pas marqué coffre. Là, c'est marqué Nyanea coffre, ça veut dire qu'on a le coffre. Enfin, voilà, etc, etc. Bon, nous, on va là. Ok. Oula. Non ! Aïe, aïe, aïe. Faut dur pour nous. Mais je pense qu'on peut passer par là. Peut-être moyen, en vrai. Le vent, il devrait nous emmener tout en haut. Ah bah voilà. Voilà. On n'a pas un marteau ? On n'a pas de marteau. Donc il va falloir la casser bah avec ça peut-être. Ok. Le coffre on le veut, on va le chercher. Un de plus. Pendule géant, sympa. Ça fait quoi ça? Ah, ça invoque un truc explosif. Ok, c'est pas intéressant. Ah là par contre ça nous fait décoller ça, ça on va l'utiliser. Ah non, ah c'est là, d'accord, il y a un coffre ici, on va le prendre. Parfait. Clé, parfait, comme ça au moins on a tous les coffres. Et là il en reste un à choper. C'est où? C'est là. Pff, j'y suis. J'ai eu du bol. Je me suis dit vas-y c'est bon, on est pas trop haut, je peux sauter. Non non, fallait pas. Salut Azuki, comment tu vas? On a fini, parfait. Hop là, un de plus. Tabanta, Kyoza, Voridano. C'est parti pour Voridano. Hop là. J'ai écrit leader. Hop. Voilà. Parfait. Let's. C'est quoi? Ah, c'est juste des bulles. J'ai vu des trucs bizarres passer, mais je crois que c'était juste des bulles. Des simples bulles. Des boboules. Ok. Alors. Bon, je pense que le coffre il doit être de l'autre côté de la pièce. On va aller charger. Ouf, bol. Parfait. Diamant brut. Toujours pas fini. Ah, il en reste un apparemment. Bah, il va falloir sortir d'ici. Petit problème technique. À mon avis, il va nous manquer la clé, une clé qui va nous ouvrir ce coffre-là, je pense. Un coffre qui a une clé qui ouvre un autre coffre. Je pense que ça doit être ça. On va manger des poissons. Des poissons. Oh. Hop là. Ok. C'est ici? Bah là je pense qu'il va falloir juste lancer... Ah non. Ah bah attendez. D'accord, c'est pas exactement ouf. Bon. Ça c'est fait. Peut-être faire celui-là aussi, non? C'est marrant qu'il reste un coffre, c'est quoi? Ah, faut que je passe au-dessus de ça encore? Vas-y, on repasse.
Ah. Comment on fait pour les mêmes dans les sanctuaires? Bah pareil que hors sanctuaire, c'est exactement pareil. Papa. Papa. Je vois pas où il est le coffre qui nous manque. Il est pas en l'air ou... Derrière, non? Je comprends pas. Il est où? Il serait pas là-bas, non? Ah, derrière! Techniquement, on n'est pas censé pouvoir y aller là-bas. On va quand même y aller juste pour voir, mais... Ah, dommage. À chaque fois, la bombe carrée pète pas! Et comment ça m'énerve, cette bombe carrée? Non, pas ça. Hein. Bah. Ok. Ce serait où du coup? Juste par là? Ah, dommage. Oh mais 7 carrés m'énerve. Hop là. Ok, bon. C'est chiant. On a fait deux fois la même erreur. Bon, c'est mort. On va vraiment crever là, je crois. Il reste des fées? Il nous en reste... Je crois qu'il nous reste encore pas mal de fées, on avait récupéré beaucoup. Il nous en reste 11, tranquille. On va viser là, ça va peut-être être... On vise où? J'ai pris le plafond encore! À chaque fois, il se passe la même chose. Hop là. Bon. Mais y'a rien là-bas, on y est allé en windbomb. Y'a que dalle, on va retourner là-bas je pense. On va encore se prendre le plafond hein. Ah ici, parfait, on l'a trouvé. On a trouvé le truc. Nickel. C'est bien caché. Easy. Tout. Parfait. Fini, ok, celui-là. Fini, ok, celui-là. Akovata. Akovata. Le roi des Vata. Hop là. Bah... On ne pas passer par la porte comme tout le monde. Il n'y a pas de porte. Ah si oui. Ah oui, si c'est vrai. Non, bah pas non. Vraiment non, je ne peux pas. Je ne peux pas passer comme tout le monde. C'est pas marrant de faire comme tout le monde. Parfait. Non. Là-bas peut-être. Non, c'est pas là. Hein. Peut-être là-bas. Ça me donne trop envie de faire un rando. Mais on fera la semaine prochaine des randos, je pense. Plein de rando la semaine pro. Et j'aimerais bien tenter les randos de Ocarina of Time, de Majora's Mask, tous les randos de tous les jeux, ça pourrait être cool. Parce qu'on... À mon avis, il faut pas que j'aille là.
Voilà, j'aurais pas dû aller là. C'est une assez grosse erreur. Du rando. Bah oui, oui, rando. J'aurais trop envie d'en faire. Mais le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps. Tu sais, si ça se faisait en 2 heures, on pourrait en faire de temps en temps. Mais là, j'en ferai. D'abord, je finis toutes les parties qu'on a en cours. Et après, on s'y mettra. Ah, sauf le 100%. Le 100%, on garde toujours. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de coffres par là. Hein. Ça me paraît pas être une zone à fort potentiel de coffres. Par contre, je suis un peu keblo là. Et salut, les saucissons cuits, bienvenue à toi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On se re-TP, je pense. Vous avez une solution à ça, vous? Non, y a pas de solution, ouais, on est bloqué là. Bon. Hop là. Pardon, j'ai oublié le nom, mais j'ai pas compris ta vidéo sur le glitch. Je l'ai déjà dit ce message, le Poco. Je l'ai déjà dit. Please, le planning. Y'a pas de planning, des fans. Hop. Alors. Ouxectic. Ah bah, par là en fait. Ah non. Pas par là. Bah, de l'autre côté, hein. Ouais, mais de l'autre côté, pas. Pas de comme ça. Il y a rien de l'autre côté, je pense. Putain, on se prend des gamelles. Hop là. Ok. Alors. Il est où le coffre? C'est marrant qu'on galère autant. En vrai, c'est cool, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Galérer pas tant, mais au moins, on les cherche pour une bonne raison, quoi, les coffres. Enfin. C'est cool. Vous pensez que si on fait en sorte que le vent ne fasse tourner aucun ventilateur, ça débloque un truc additionnel? Non? Moi je pense que oui. Ah, on peut pas en faire tourner aucun à cause de celui-ci. Ah si, celui-là on va le verrouiller en fait. On va le verrouiller celui-là. Ok. Ah, il y en a deux qu'il faudrait verrouiller malheureusement. Aïe aïe aïe. Non, mais on peut pas. Bon, Y a-t-il un coffre dans la maison? À mon avis, c'est plus là. Y'a bien un truc au fond, non? Ah bah, juste en dessous, non? Non. Il y a pas dans l'eau ou... Ok. Ah, il est là. Yes. Parfait. Saphir brut. Et Cryonis. On va pas un deuxième là.
Et c'est un deuxième, parfait. Hop là. Nickel. Ouais, c'était cool. En vrai, ils en avaient mis 3, c'est bien fait en vrai. Et c'est fini. Ok, celui-là c'est fait aussi. Celui-ci. Chatawa. Go to Chatawa. Allons-y. Allons-y. As de Chatawa. Le Chatawa. Coucou le saucisson cuit au passage. Je sais pas si tu as dit bonjour. Il y a Konoda, Konoa aussi qui est là. Et XLD. LSLD. LFLFL. Qui est là aussi. Coucou à toi. Hop. On dirait un arbre magique là-bas. Non, c'est pas un arbre magique. Ok. Ok, ok, ok. Bam balan, salut Yadon Twitch aussi. Hop là. Ah. Et bah go. Je crois que c'est dans... J'avais fait une vidéo. Ah, la vidéo du Vertical Wind Bomb. Je crois que l'introduction du Vertical Wind Bomb, je fais juste des wind bombs verticaux pour monter toute cette salle. Dans mes souvenirs, je crois que c'est comme ça que je l'avais fait. J'en ai des bons souvenirs de ce là, c'était trop bien. J'avais un peu travers, j'avais pas réussi du premier coup, je crois. Et je crois que j'ai dû le faire deux fois parce que j'avais perdu le son. Le son était raté. Et vu qu'il n'y avait pas le son, j'avais recommencé. Je crois qu'il y avait un bail comme ça avec cette intro. Mais attends, mais c'est... Ah oui, d'accord. Je vois où il est là, le coffre. Ok. Ah, dommage. Faut que je passe par en haut. Let's go. Hop. C'est bon. No Hiroji. Let's go. No Hiroji. Et coucou MDA. Bienvenue MDA. Et salut le clown forever. Sanctuaire DLC celui-là, non? Il a l'air assez pointu. Oui, c'est un sanctuaire DLC. Qui dit DLC dit compliqué, souvent. Un peu plus dur que les autres. Ok. Ok. Ah oui, d'accord. Alors le coffre, il pourrait être ouf. Y'a rien là? Bizarre qu'il y a rien. Ok. Il est marrant en fait. Il suffit juste se poser 2 secondes et tirer des flèches. Première fois que je le fais comme ça. Et c'est vachement plus drôle à le faire comme ça. Là aussi, non? Ah, allez, c'est du vent. Ah. Je me suis fait un peu avoir là. Bah, ça fait pas du vent ça? Ah, ça ouvre juste la porte. Et la porte, elle est à quoi derrière? Ah, d'accord. Raté. Oups. Oupsi. Bon, bah on va attendre. Je sais pas comment on est censé l'ouvrir celle-ci. Des poissons. Des champignons, on a 162. Ok. Ah d'accord, parce que c'était vraiment bloqué. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Ouais.
Et c'est là-haut du coup. Le coffre, parfait. Le coffre, une voie cachée comme d'hab. Parfait. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que si je pouvais refaire le jeu depuis le début, je ferais quand même attention en nom des sanctuaires. Ça c'est le genre de truc, tu vois, si dans la suite de Breath of the Wild, ils s'amusent à mettre autant de sanctuaires, faudra bien lire le titre des sanctuaires, parce que souvent la solution des énigmes, enfin, souvent le nom des sanctuaires donne quand même un indice sur comment le résoudre. En tout cas, celui-là est fini. Celui-là, Camarai, let's go. Camarai. Bonjour Camarai. Salut No Gamer. Bienvenue No Gamer. Hop là. Ok. Mais j'allais pas du tout au bon endroit, c'est là qu'il faut aller. Ah le... Non, les glaces, on s'en fout en vrai. On a déjà essayé. Alors. Ok. On rentre là-dedans. Et on s'occupe de... ce sanctuaire. Bon, tu vois que la porte, elle te dit non. On va changer de solution, du coup. On va prendre une vraie solution. Ah. Ah, il y a un coffre, là. Salut, Kana. Oh mince. Je regardais le coucou, j'ai pas regardé les distances. Mais coucou Kanao, bienvenue à toi. Comment vas-tu? On va mieux y arriver là, ça va mieux se passer. Est-ce que c'est tout? Cœur antique. On n'a pas fini. Alors il en resterait. Il me paraît évident. Ah oui, je vois lequel il doit rester. Oula, pas là. Alors je pense pas qu'on puisse passer par là. Ah mais si, normalement la boule va tomber. Il faut juste que je cache le mur. Là il y a lui, ouais. Ah. Est-ce que c'est bon? Non. On va essayer de faire un truc de ouf. Vous êtes prêts? On va essayer de taper vraiment pile au milieu. Comme ça. Ouh. Ouais, voilà. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que... Ça c'est bloqué. Du coup, faut qu'on repasse par l'autre côté. Et par contre, on est un peu embêté là. Je pense qu'on va ouvrir ça. Et que du coup, on va se faire un petit wind bomb là. Tranquille. Raté. Là. On tombe dans le vide infini ou pas là? Non, parfait. Et bah nickel, c'est exactement là que je voulais arriver. Comme ça on arrive ici. On appuie là-dessus. Les gardiens. Je voulais esquiver sur la droite. Mais... Hop là. Ok, parfait. Ok. Bon. On a fini. 10 flèches expo, ça fait plaisir. C'est fini, ok, parfait. Est-ce qu'ils ont des trucs aussi intéressants que des rouages et des arbres? C'est quand même pas mal, ils ont des bons trucs. Encore un arbre.
Remarque, ils étaient assez durs à tuer. Il a fallu 2-3 coups d'épée. Vis et ressort. Alors, ça c'est bon. Allez, on continue la montagne de la mort. Pas la montagne des bras. Vu que c'est des épreuves extrêmes de force. Oh, on a quasiment tout fait. Allez, on fait les deux derniers des bras. Hop là. Alors. Parfait. Est-ce qu'elle cam pour Twitch? Comment ça qu'elle cam? Salut. Bah Renault Gamer, t'étais pas déjà là, No Gamer? Non? Ah bah tiens, hop. Ah, super. J'ai un peu fait de la merde là. Ok. Là-bas y'a rien. Hop là. Une clé on en a pas. Chercher une clé. Là non. Ça me barre là. Merde. Hop là. Oula. J'adore cette technique, elle est trop drôle. Ok, là y'a rien niveau coffre. Apparemment non. Il va falloir qu'on trouve le coffre des clés au final, enfin de la clé. Allez hop. Hop. J'aurais dû faire explosif. Ok. Le bouton il marche plus. Il est pété. On a pété le bouton. Hop là, salut Grimpax. Bienvenue Grimpax. Petite clé. Bon, c'est bon. On a fini, nickel. Celui-là. Kiatuza, let's go. Ça se passe bien, j'aime bien cette petite aventure là de chasse au coffre. Et le fait de pas venir les sanctuaires, en plus c'est cool parce que ça évite de se taper la cinématique à la fin, le chargement, tout ça. Hop là. Écoute. Et coucou, ouais. Alors. Bon. Ça donne quoi, ça? Oh, j'adore les sanctuaires des piafs. Ah oui, d'accord, j'avais oublié celui-là. Le coffre, normalement, je crois qu'il est en haut. Il doit être par là ou par là. Je crois qu'il faut grimper pour l'avoir. Du coup, on va grimper pour l'avoir. Ah. Super. Merveilleux. Merveilleux, somme. Salut, Castraspin. Ah, Castraspin, bienvenue. Hop là. Du ping. Des trucs, on avait 130 champi, un truc comme ça. 172, allez hop. Oula, c'est bon, parfait. Celui-là, il est pas compliqué. Il est vraiment tout en haut. Hein. Ok. Ouais, c'est fini. Celui-là est fini. On a fini toute la montagne des bras. Alors pourquoi on a mis une balise ici? Ah, c'est parce que c'était un... Comment ça s'appelle? Un monstre, je pense que c'était pour ça. Knokimimi. Knokimii, pardon. Let's go to Noki.
fais gaffe, fais violent quand on dit qu'il lit pas les messages. C'est pour ça maintenant je suis moins violent, je les lis pas. Ceux qui disent que je lis pas les messages. Bon, je vais y aller, bonne soirée tout le monde. Salut Maxime. Bonne soirée à toi. Hop là. Allez, on y go. On fonce. Voilà. Vaut mieux sur Discord hein, pour envoyer des clips. Hein. Sur Twitter, c'est chiant. Sur Discord, au moins, c'est plus facile de les gérer. Je peux les modérer, etc. C'est un peu plus simple. Alors, j'ai envie de douiller le jeu. J'ai envie de faire un truc. Alors attendez, juste j'aimerais bien qu'on... Ah oui, oh, regardez ce qu'on va faire. Ah mince, je pensais qu'on pouvait toucher au module là, mais... Attends, on va tenter un truc. Non. Ah dommage. Il faut juste qu'on puisse monter là-dessus. Ah sinon on va utiliser un gros wind bomb et on va y aller en planant. La bouffe. Non, non, non. Bon. C'est pas comme ça que je voulais. Il faudrait que j'aille un tout petit peu plus haut. Ah, il y a un coffre. Bon, vas-y. On va pas s'embêter. Je voulais douiller le jeu, mais... On va le douiller plus tard. Enfin, je voudrais juste tenter un truc. On va pouvoir voir tout de suite. Diamant brut. Salut Nelgt. Nelgt. Bienvenue à toi. Ce serait là. Et on peut pas monter hein. Bah, il faut vraiment que je fasse un wind bomb genre contre ce mur là je pense, ça devrait le faire. Off. Allez, laissez-moi monter. Laissez-moi juste prendre de la hauteur. Allez, ici là. Jamais ils vont nous laisser hein. Jamais on pourra arriver. Juste aller un tout petit peu plus haut. On va remonter sur le coffre. On va viser où? On va viser là. Parfait. Aïe aïe aïe. Perso je me serais cassé 4 bras au bout d'un moment. Bah moi je pense aussi. Mais bon ça va c'est Link, hein, il est trop fort. Il a pas de bras. Du coup il peut pas se décater, il a pas de bras. Oula. Ah mince. D'accord, ils ont fait une salle un peu plus grande que prévu. Ils se sont dit bon au cas où on a besoin de place, on va faire de la place. Alors attendez là il va falloir qu'on se concentre. Allez. J'arrive pas, ça m'énerve. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. C'est bizarre, pourtant j'appuie sur les boutons mais j'ai pas le bon rythme. Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Bon allez, là c'était bon. Ça m'énerve, j'aime pas ne pas réussir un truc. J'ai pété un câble. Mais c'est bon là. Ça m'énerve, je me casse. On a fini de toute façon, je me casse.
Heureusement qu'on a fini, mais j'ai pas pu tenter le truc que je voulais faire. Je voulais essayer de monter sur un pilier et taper avec un coup d'épée dessus, voir si ça pouvait le faire descendre, mais j'ai pas pu tester. Et je voulais pas vous le dire pour pas vous spoil, mais du coup je l'ai pas fait. Hop. Alors. Ça c'est cool. Bon, nos gamers, t'es quand même pas obligé de dire bonjour toutes les 3 minutes pendant des heures et des heures hein, quand même. C'est bon, on a compris hein. Non, à moins que ce soit pas la même personne, mais si, c'est toi. C'est bien toi. Ça fait je sais pas combien de temps que tu dis bonjour de toutes les minutes depuis je sais pas combien de temps. Et re-laipin. Rebonsoir. Hop là. Ok. Ok, on a fini. On a fini. Regardez, vous êtes prêts, il va nous tomber sur la tête, le ciel. J'ai confiance en moi. Ça valait le coup, ça valait le coup de le tenter. C'était très drôle. Bon, ça c'est fait. Celui-là est bon. Bon, je crois qu'on a fini toute la zone des bras. Hein. Ouais, hein. Revérifier quand même au cas où, mais je n'ai pas raté. Par là, peut-être les deux, là, non, c'est fait. Ah, celui-là. On finit. Waouh. Waouh. Hop là. Lui, Mounour. Bienvenue à toi, Mounour. Et Marsh, le Shinob aussi, qui est là. Coucou, Marsh. Mars, pardon. Hop là. Alors. Encore un. Celui-là, c'est où? C'est dans la... C'est où? Ah oui, non, c'est dans le cratère. Dans l'espèce de faille. Alors, un de plus. On a 6642. On a gagné beaucoup de thunes en vrai depuis qu'on a commencé ça. Le coffre, il pourrait être où? Oh merde! Je voulais monter sur le bord, j'ai pas réussi. On va le faire. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Comment transformer un jeu pas de plateforme en un jeu de plateforme? Ah, dans ce sens-là, ça serait mieux, plutôt qu'avec la pente. On va attendre que ça fasse un demi-tour. Heureux, Mister Protect. Trop tôt. C'était trop bien. J'ai bien aimé cette chute. Hop là. Oula. Mais faut pas aller au milieu. On va y arriver, ça va très très bien se passer. Sinon, et on fait la technique débutant. La technique débutant, ça consiste à... Ah merde, oh bah... En vrai, c'est pas plus mal. Bah non, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Parfait, c'est bon. On a réussi. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? Je sais pas. Un windbomb là-bas? Ça vous chauffe? Moi, ça me chauffe pas mal. Oh, il s'est arrêté la boule. Comment c'est possible? On est d'accord, c'est pas possible. La probabilité pour qu'elle s'arrête, elle est de 0%, non? Ou de moins 12%? Moins 20% même, non? Il y a moins 75% de chances que ça arrive. En tout cas, c'est arrivé. Ce qui veut dire que bah, c'est forcément pas un pourcentage négatif. Voilà. Bon. Ok. Vous pensez que là, c'est mort? Oh, merci la fée. Tu vois des blocs mis comme ça, tu lances une flèche explosive. Ok. Une
probabilité négative. attends. Ah bah c'est bon, on a fini. Bah pas besoin de s'y intéresser plus. Si quand même. Non, quand même pas. Ça c'est fait. On va essayer là. Geoma. Geoma plutôt. Tout simple. Non, on a fait, il te dira le pourcentage. Ouais, mais il donne que des pourcentages positifs. Fait, il connaît rien aux maths. Il connaît rien aux maths, elle est trop con, Fait. Hop là. Hop là. Parfait. Je t'ai rejoint sur Discord. Tu m'as pas rejoint sur Discord. Tu as rejoint le Discord. Le Discord, c'est mon Discord parce que c'est mon nom. Mais c'est plutôt le Discord de la communauté, hein. Sache-le, c'est pas moi hein, qui viens pas me voir quand tu es sur Discord. Je viens voir les gens qui aiment les trucs que tout le monde aime ici. Voilà, comment on pourrait dire ça comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec moi, hein, le Discord. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est moi qui l'ai créé, quoi, c'est tout. En tout cas, je suis pas celui qui parle le plus sur Discord. Hein. Ah mince, je pensais que ça allait passer. Sauvetage. Il bouge pas les machins? Il est pas censé bouger lui? Ah d'accord, avec le vent. Non. Je sais pas comment on peut y aller du coup s'il tourne plus. On va faire un windbomb. Oh, on s'est pris le coffre. Des durians. Quand on arrive à un stade, on peut manger des durians crus juste pour se heal. Ok, go. C'est fini. Geoma, c'est fini. Toyasa, let's go to Toyasa. Voilà. Oh, le bug, t'as clip le mur. Non, je suis juste cogné dans le mur plutôt. J'ai plutôt cogné dedans. Normalement, c'est la nuque, elle est brisée là. Exactement. Gilimian. Il a plus de nuque. Il s'est fait ennuquer. Ennuquer le cou. Hop là. Alors là, on a déjà le coffre qui est en dessous. C'est celui de la tenue. Donc on va chercher plutôt celui qui est là-bas. Je crois qu'il y en a un qui est en dessous par là. Ah, j'aurais bien aimé qu'on puisse le pousser. Oups. Par là, peut-être. Non. Hop là. Salut petit poule. Bienvenue. Encore. On déteste les cailloux ici. Ok. Et salut Ratsu Game. Ah, il est là en fait le coffre. Bon bah attendez. Je suis débile. Ok. Parfait. On a fini. Pas le brut. C'est bon.
Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ciao, yo! Let's go! Et bon foot, Mars le Shinobi. Hop là, salut Alxep. Bienvenue à toi, Alxep. J'espère que tu aimes les CEP. Salut Hipkeys. Bienvenue à toi. Et coucou, Exelo. Bienvenue, Exelo. L'excellent Exelo. Mm-hmm. Go. Non, là. C'est parfait. Et coucou, Black Vex aussi. Merci pour ton follow, Black Vex. Bienvenue à toi. Bien tu à toi. Hop, bon. Il est là, le coffre. Là, instinctif. Je vois le sanctuaire. Genre. La flèche explosive n'a pas foutu le feu au truc. Ah, d'accord. D'accord, non mais ok. Parfait. Arc du faucon. Ah, c'est pas fini, il en reste un. Il en reste un là, d'accord. Oh, attendez, et... Ah, dommage. Oh, quelle chute. T'appelles comment dans la vie? Ah, j'ai juste un nom pour ma mort. J'ai pas de prénom pour l'instant, j'ai... Mes parents, ils ont prévu un prénom juste pour le moment où je vais mourir. Et je m'appellerai Hadès. Ils ont décidé Hadès, ils trouvaient ça joli. Du coup, bah pour l'instant, j'ai pas de prénom de vie. N'est qu'un prénom de mort, malheureusement. Donc, je t'avoue... Personne m'appelle, les gens me sifflent, essentiellement. Hop là. Doudoudou. Ça passe brut. Attends, on va se prendre un... Attends. Voilà, je savais très bien que ça allait mal se passer, ce truc-là. Alors, attendez, non. Oh, Kiwazata. Let's go, Kiwa. Et non, je n'aime pas les cèpes. Oh, Alxep n'aime pas les cèpes. Ça fait comme si... Jean Brioche n'aimait pas la brioche. C'est pas drôle. Des fois, faut pas que je parle. Salut Médoli! Bienvenue à toi. Hop là. Let's go. J'ai faim. J'ai pas faim dans la vraie vie, j'ai faim dans le in-game, bien sûr. On a toujours faim in-game. On va manger des gros champis qui font pas de bruit. Voilà. Pam pam. Undefined est le leader actuel. Tu ne peux pas prendre sa place avant une minute. Je vais réparer le bot. Il y a une couille. Contrôle mage F. Leader actuel. Leader actuel. Le leader actuel. Leader actuel. C'est leader. Voilà. Normalement, le bot est réparé. Ah, par contre. Je vais kick le leader. Parfait. C'est bon. Alors, ça faut faire quoi? Il faut chercher une petite clé, je crois. Non? Une petite clé dans un petit coffre. Oh, il est le coffre. Il y a quoi? Là, il y a juste une boule à mettre. Ok. Ici, il y a une porte. Il va falloir mettre avec ça. Est-ce que l'épée de légende serait capable de pousser une bouboule? Ah non, elle est nulle l'épée de légende. Et avec un full cinétis Avec deux coups de cinétis, bah, deux coups d'épée. L'épée de légende lance des lasers qui n'envoient pas les choses dans une direction. C'est bizarre, hein. Pas très gentil, ça. Hop là. Comment... Quel coffre il y a ici, là? J'arrive pas à me rendre compte. Oh, j'ai anticipé de ouf. Oh. Pas normal, ça. On va se cogner. C'est bon? Oui. Ouh, c'était stylé. Ah. Oh non. C'était moins stylé là.
Oh. Voilà, trois, un triple chargement là. Okay. Alors, ok. Où qu'il est le coffre? Il est où? Derrière. Même pas. J'étais sûr de moi là sur ce coup. Ah, ils l'ont mis où? Là, clairement, c'est pas compliqué. La salle, elle a rien de compliqué. C'est un carré. Non. Non. Bah. Alors. Non, y'a pas de chose comme dans les manettes du Xbox, Mr. Protect. Sur PS4 y'en a, mais pas sur Xbox. Mais sur Switch aussi y'en a. Bah merde. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Oh. Ah, comment tu fais? Bah j'utilise pas. À chaque problème, sa solution. Hein. Celle-ci elle est pas compliquée quand même, la solution. Attendez, si on met un pied ici, il y a un pied à côté. C'est quel pied le pied porteur? Ah pas. Ah. Ah, je pense qu'il n'y a pas de pied porteur, c'est le milieu du corps qui compte. Ouais, c'est le milieu du corps. Ok, bon bref. Bah, je sais pas quoi faire. Attends, ah, il est là. Putain. C'était long, hein. C'était long. Yamagana, bah on passe au-dessus. On passe au-dessus, hein, Yamagana. Alors ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, on a fini quasiment toute la... On va voir... Ah, ceux-là, là. Il y a bien que j'ai pas pris, non? Kyo. Kyo-ho! Let's go! J'espère que j'ai vérifié que je l'avais bien. J'avais bien tous les coffres, parce que ce truc, il y en avait deux. C'est possible que j'en ai... Ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait deux. Vu la taille de la salle, c'était quand même difficile de rater celui qui était... je sais même plus où c'était. On n'a pas fini Monia Thomas. Faut qu'on aille faire Monia Thomas avant. C'est un génie, pourquoi? Vous utilisez des mots qui vont pas du tout avec le concept. Hein. Genre génie pour ça. Tu peux dire génie si t'as découvert, je sais pas moi, la radioactivité ou découvert l'électricité, là tu peux parler de génie, mais t'as un windbomb pour passer une salle, t'es juste un connard. pas un génie, tu vois le terme. Mais ne me traitez pas de connard, hein, c'est pas très gentil. le coffre, il est où? Il est là-haut normalement. Eh ben on y va. Ok. Ah, raté. Habite dans une lampe. Ah oui, c'est vrai que si t'habites dans une lampe, t'es un génie. Non, ça c'est vrai. À moins que tu peux habiter dans une lampe sans être un génie. Hein. Est-ce que t'es un génie à partir du moment où si tu proposes de faire trois vœux à quelqu'un et que t'es capable de les exaucer, ça toi, t'es un génie ou tu peux être un autre type de génie? Genre un génie... Et tu peux vivre dans une lampe sans être un génie, je pense. Hein. On va demander à Aladdin, il doit s'y connaître. Ok. Next. Ça c'était bon, on fait celui-là. Kyo! Kyo! Salut à Ninou, Nina, Ninou. Bienvenue à toi. Super pseudo, c'est trop drôle. Bienvenue en tout cas. Salut Hipkiz aussi, que j'ai pas dit bonjour, je crois. Pourquoi ne pas avoir dit bonjour à Hipkiz? C'est trop bien le shield flop. J'y arrive à tous les coups maintenant, ça fait plaisir. À tous les coups. Je l'arrive, je pense, dans plus de 50% des cas. Sans trop m'abuser. Je ne m'abuse pas. Hop là. On traverse. Go. Il n'y a pas de coffre de toute façon ici. On va se prendre le mur. Vous pariez combien qu'on se prend le mur? Attends, on va essayer comme ça.
prends le mur ou pas? 1, 2, 3, mur. Oui. On se l'est pris. Mais on est quand même passé de l'autre côté. Ça, c'était l'avantage. On est passé vraiment sous l'arche. Hein. L'arche de Noël. Ça. Bon bah voilà. J'ai bouffé pour se prendre quand même un coffre. Là, il y a un coffre. Est-ce qu'il est prenable? Comment on pourrait le prendre? À mon avis, il s'ouvre que quand on résout l'énigme, non? Ah d'accord. 3 de 2. Non, 4. 4 petits. 2 moyens. Donc 4, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 1. Bon, par contre, on est un peu bloqué. Non, c'est bon. 4, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 1. Oh. Allez. Oh là là. Allez, il saute. En backflip peut-être? Voilà. Quatre, deux, deux. On retient bien. Ah bah oui, parce que j'ai fait un shield jump, non? Ouais, j'ai fait un shield jump. Malheureusement, j'ai shield jump. Ici. Là. Non, 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 non. 4, 2, 2, 1. Donc, celui-là c'est du 4. Celui-là c'est du 2. Celui-là. Ah, je sais pas lequel des deux. Bon, c'est peut-être 2 et 1. Sinon, c'est l'inverse. 1 et 2. Ah, dommage. Oulala. Là, là. Non, c'est l'inverse. De toute façon, faut peut-être résoudre la première énigme pour pouvoir résoudre la deuxième. Il y a des chances. Je les connais, c'est les créateurs de jeu. Oh merde. Bon, on résout la première déjà. Bon, la première, c'est... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour le petit. Ok. 5. Les trucs chelous là. 1, 2, 3, 3. Ok, 3. Ok. Ensuite, les mets. Ah. Attendez, là du coup. Là, les méga grands. Donc les petits, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 petits. Les espèces de bonhommes bizarres, il n'y en a que deux. Les trucs gigantesques, il n'y en a que deux. Ok. Donc deux gigantesques, deux bizarres. Et quatre machins. Donc deux gigantesques. Ça, c'est les bizarres. C'est deux. Ça, c'est quatre. Et les géants, il y en a un. Le géant, il est qu'à un. Ok. Ah mince. Voilà. C'est marrant ça. On ne peut pas résoudre la deuxième énigme avant la première. Après, ça paraît logique. Parce que si tu te mets à mettre les trucs n'importe comment et que tu résous la deuxième énigme avant la première, t'es un peu paumé quand tu découvres le jeu. Tu te dis bah j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Donc ouais, c'est... Mais c'est marrant, je pensais pas. Je savais pas que c'était comme ça. Bon, hop. Ok. Donc, on va le jeter aussi celui-là en vrai. Bon, ça c'est fait, donc les 4 ils sont faits, la grande forêt c'est bon. Mirotsui, let's go. T'as jamais réussi ce sanctuaire? Ah, c'est vrai qu'il est pas facile. Moi je crois, je sais plus,
Je sais plus comment j'ai fait celui-là. Je sais plus si j'ai regardé sur internet ou pas. En vrai, j'ai aucune idée. Et je sais que la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais rapidement triché sur la position des sanctuaires. Je suis allé les chercher sur internet. Ah, peut-être pas si rapidement que ça, j'avais au moins fini le jeu avant. Mais je sais que celui-ci, je sais qu'il m'a posé problème. Je crois que j'avais résolu tout seul. Pas dans mes souvenirs, j'ai vraiment passé du temps. Après, je sais pas si c'était celui-ci ou plutôt les épreuves jumelées. Mais les épreuves jumelées, je crois que je les avais pas faites. J'avais pas compris, je crois. Bah tiens, un coffre. Ok. C'est 4, hein. C'est plus que 4. C'était 6, je crois. Ah, c'est 6. C'est 5, d'après Horace. Bon, on teste 5 pour Horace. Horace. On va voir si Horace, c'est un vorace ou si Horace, c'est quelqu'un de pertinent. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que Horace a tort? Horace a raison. GG Horace. Et pas GG Ipkiz. Oh, ça se trouve, ça peut passer à 6. Hein. Si tu te prends un mur, le 6 peut passer, je pense. Ok. Tu sais, je crois qu'il est chiant. Ah bah oui, on l'avait fait dans le noir. Vous vous rappelez la partie qu'on avait fait dans le noir? Bah, on l'a fait avec SOTW du coup dans le noir. C'est les sanctuaires, on voit rien. Et celui-ci, j'avais pas réussi à le faire, mais au final, faut juste se mettre en diagonale, quoi. Et taper du... Taper du 5, du 6? Du 5, allez go, hein. Ah non, ah c'est pensé qu'il y avait une pente pour remonter. Y'a pas une pente? Moi je vois une pente là. On va rester à coup de 6. Je vois pas trop comment on est censé faire. 5 c'est pas assez, 6 c'est trop. Mmh. 1, 2, 3. Il y a fait 1, 1, 2, 1, 3. Pourquoi ils font des 1, 2, 3? Donc c'est 4 techniquement. Et ça me paraît bizarre que ce soit 4. C'est 5.5. Ok. T'as mince. Bon, je pense qu'on va faire une technique. Désolé, là je vous avoue, je sais pas la résoudre celle-ci. Ah. Bah, bon choix. On va y arriver. Ok. Meilleur streamer de Zelda. Et coucou Liken, bienvenue à toi. Là, t'es en train de dire que les autres streams c'est de la merde. Quand je stream d'autres jeux c'est nul, tu t'emmerdes. C'est pas très gentil. En tout cas merci pour les 100 bits, c'est pas très très gentil. Je me fais chier pour vous au final. Alors Zelda ça passe, mais le reste c'est de la merde. Alors, attendez, je vais me mettre là. Mais merci pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casse-toi, je veux pas l'image. Casse-toi! C'est bon, on est bien placé. Ok, maintenant nous on y va. Et
puis bah voilà. Est-ce qu'on peut marcher dans l'eau? On peut pas marcher dans l'eau. Donc, eh ben on va faire la technique du... Je prends mon temps. Ah bah en fait j'ai juste la balance. Si je la balance, elle disparaît pas la boule. Ah mince, si. Elle passe... Elle peut pas remonter? Ouais, bah bien pouvoir remonter en vrai. Ah non, elle coule. La boule qui coule. Puis pour les autres jeux aussi MDR. Merci beaucoup Liken pour tes 1000 bits. Merci infiniment. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. 9 mois, médaille d'argent. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Et bah merci aussi Cosmix pour ton 9e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est très gentil à toi. Merci pour ton 9e mois. Et coucou Cosmix à Patache. Bienvenue à toi. Alors attendez. Et coucou Santoril. Bienvenue à toi aussi Santoril. Ils sont fous. Ils sont fous ces bizarres. Comment on fait ça? Faudrait baisser un peu le niveau de l'eau. Faudrait que j'aille chercher l'eau. Il y a un bouchon qui traîne. Il n'y a pas moyen qu'on... Enfin, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Quoi ça? Une sorte de plaque. En contreplaqué. Bon. Comment qu'on fait? Comment on peut résoudre cette énigme? Faut juste qu'on ramène la boule ici, quoi. C'est marrant qu'ils ont fait des formes bizarres. Je prends pas. Je suis pas bon en énigme. Non, on nage pas. Enfin, on peut pas marcher sur l'eau. On n'est pas Jésus. Oh non, mais sérieux? Genre, on peut pas monter là-dessus, nous? Allez, grimpe. Monte. S'il te plaît. On va se noyer, hein. Bon. Hop. On peut peut-être remonter par là, en fait. Avec l'impact de la bombe. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et merci Liken12 aussi pour ton 5e mois d'abonnement. 5e mois pour Liken, merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue à toi Liken. J'espère que tu vas bien. Et que tu vas bien. En tout cas. Et en tout cas, merci pour ton sub. C'est très gentil à toi. Hop là. Allez, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. On va trouver une solution. Ça va bien se passer. On va prendre ça, puis ça, on se concentre. Alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On peut pas viser. Mais comment on est censé faire ? En fait, faut tomber pile dans le trou, en fait, non? Je crois qu'il peut tomber pile dans le trou.
Si on vise bien, il peut tomber direct. Hein. Attends, on va viser bien. Un tout petit peu plus à droite pour nous, du coup. Yes, d'accord. Bon, moi, GG. Je sais même pas si j'ai... Si, je l'ai déjà eu, ce coffre, je crois. J'ai déjà dû le faire. Mais je pensais... J'avais oublié que c'était ça. Bon. Eh bah, merci pour les GG, merci. Ça, c'était galère. Hein, moi, je pense que... Ouais. Ouais, je comprends. En vrai, on aurait jamais pu le faire sur SOTW. Enfin, tu sais, vous vous rappelez, on avait tenté de le faire, on n'y arrivait pas. Mais parce qu'il faisait nuit aussi. Quand il fait nuit, c'est quand même moins facile. Là, il y en a plein. On n'en a fait aucun, limite, ici. Enfin, on n'a pas fait beaucoup. Allez, Shoura-A. Let's go to Shoura-A. Ça fait combien? Il est 18h18. Et ça vous dit, on en fait un dernier et après on passe sur SOTW, ça vous chauffe? Il est quelle heure? 18h, 10h, ça nous ferait seulement 1h30 sur SOTW. Ah ouais, on a pris beaucoup de temps déjà là-dessus. Vas-y, go. Go. On finit ça et après go. Hop là. On continuera mercredi prochain cette aventure. On a pas mal avancé en vrai, on a fait quasiment tous les sanctuaires du jeu là. On a fait la moitié, je pense. On a dû faire la moitié, je pense. Là-bas. Ok. Voilà. Non. Salut Cobalt, comment tu vas? Parfait. Arc royal. Pas fini du tout, on va par là. Bah pile poil, on tombe sur un coffre. Si j'avais fait exprès, enfin j'aurais pu vous dire que j'avais fait exprès mais... Non, c'était du pur hasard. On a toujours pas fini. Ah bah là c'est la merde. Ah il est là bas. Ok. Oula. On va juste attendre. On va observer si on trouve des coffres dans les alentours. Il prend cher lui. C'est marrant qu'il n'y ait pas le tir allié. Ce serait cool quand même qu'il puisse se tirer dessus les gardiens. Ça donnerait un style un peu mieux. Mais... Il y en a un qui a pas perdu de vie depuis le début. Ah il va en prendre... Ah non, toujours pas. Ah si. Lequel va survivre? Vous pariez pour lequel? Ah, au final, c'est celui qui avait pas perdu de vie qui va commencer à se faire shooter, là. Il s'est mis devant de moi. Attention, c'est très serré. Oh, c'est lui le survivant. GG, survivant. On va manger. Ok, bon. Ça ouvre la porte ou pas? Non, ça ouvre pas la porte, ça. Pour ouvrir la porte, il faudrait allumer les flammes bleues. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va pas ouvrir la porte, alors. On va aller directement là-bas. Là-bas. Nickel. C'est une compète. Toujours pas. Dis donc. Oh, ma technique du droit de gauche, elle marche pas de ouf. Vas-y, on continue, je m'en fous. J'adore cette technique. Est-ce qu'on va finir par mourir? Je sais pas. Aïe, aïe, aïe.
On perd que des quarts de cœur, ils sont gentils les gardiens au final. Ah, les coups de hache là comme ça ils sont géniaux. Attends. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. J'ai une hache de gardien qu'on va jeter. Cœur antique. Alors, où est le coffre? Ah, je sais, c'est avec les chutes d'eau là. Il y a un délire, je crois, ici. Ah bah tiens, bah, il est là, parfait. Il y a un autre, je crois, non? Il n'y a pas un autre avec les autres chutes d'eau? Ah, il est là-bas. Ruby à 100 balles. Ok. En vrai. Je crois que c'est le Zelda qui a le plus de donjons. Enfin, les sanctuaires, si tu mets tout bout à bout, tout le gameplay que t'as de phase d'énigme de type sanctuaire qui est ni plus ni moins que des donjons, c'est... Mais il y a beaucoup plus de phases de gameplay type donjon dans ce Breath of the Wild que dans tous les autres Zelda, en fait. Les gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de vrai gros donjon, en vrai, c'est encore mieux qu'un vrai donjon parce qu'au final, ça se fait petit à petit, quoi. T'es pas obligé de te taper un donjon de 2 heures d'un coup. Tu te le fais en plusieurs petites parties. Je trouve que c'est... Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même vachement mieux. Avant j'étais plus de la team à... comme les gens qui disaient machin. Oh c'est nul, Breath of the Wild, y'a pas de vrai donjon, mais au final c'est du bullshit. Hein. C'est vraiment du bullshit. Ouais, en plus y'a les créatures divines qui sont des vrais donjons. Il y en a 5 en plus. Plus le château de Ganon, en vrai limite c'est un donjon. Bon, je sauvegarde et on s'arrête là. Au revoir YouTube, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Il nous en reste... Alors attendez, si on regarde la map un peu. En gros, on a fait tout le nord-ouest, toute la diagonale, et il reste toute l'autre partie. En vrai, il en reste beaucoup, mais vu qu'on a fait tous les sanctuaires qui sont là, il y en a plein qu'on a fait là, je pense qu'on a à peu près fait la moitié. Et donc, du coup, bah, au revoir, YouTube. On se dit à la prochaine pour la suite. Des bisous à vous, et en attendant, passez un bon moment. Au revoir, YouTube. Bye, bye.